Cette partie de la journée, c'est surtout sur le devoir de s'asseoir. Alors, vous avez tous reçu cette brochure, hein, dont le thème, dont le titre principal, c'est une banquette pour échanger votre vie. Alors, on va vous donner la recette. Comment on fait pour peler un oignon sans pleurer? C'est un peu le thème du devoir de s'asseoir. Alors, on fait cette période-là. Elle se fait, il y a Jasmine et Jean Combi. Où sont-ils? Ils ne sont pas là. Jasmine et Jean Combi, dans un premier temps, ils ont préparé une scénette sur le devoir de s'asseoir, toujours. Ensuite, Geneviève Chevalier interviendra. Je vous la présenterai tout à l'heure. Ou alors je vais vous la présenter tout de suite. C'est une... Où est-ce qu'elle est, Geneviève? Elle est là? Elle est là, à ma droite. Alors, tu veux parler quand? Avant la première séance. Ah bon, ça commence. Allez. Elle part avant. C'était pas prévu comme ça. Bon. Tu parles avant. Bon. Oui. Allez, OK. Ouais. Bon, je vous dis un petit mot sur elle quand même. Parce qu'on se connaît depuis longtemps, quoi. Hein? Oui. Voilà, alors, en fait, elle a un parcours assez intéressant. Elle était pharmacien biologiste, c'est-à-dire qu'elle plongeait au sein de nos cellules, de notre sang, voilà. Voilà, et maintenant, elle est conseillère conjugale et familiale. Elle est à Bordeaux, elle est membre du CLER. Et tout ça, ben, elle s'est rendue compte que pour la guider, il y avait un seul mot, c'était l'écoute. Donc dans ce parcours-là, l'écoute a été un petit peu sa pierre de base. Voilà. Et donc, elle va nous faire part de l'écoute dont elle se fait aujourd'hui la parole. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux commencer? Alors elle commence. Et puis le deuxième couple, c'est Bénédicte et Jean-Louis Bouny. Responsable toujours, ils sont toujours responsables de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, ça n'a pas changé depuis hier, et ils feront donc une deuxième scénette. Bon, alors tu te débrouilles comme tu veux. Je pense. Alors, je prends ce micro. C'est vrai que je veux commencer parce que je voulais vous dire qu'avant d'écouter, il y a besoin de, comment dire, de regarder, d'entendre, bien sûr, c'est une évidence. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui interviennent. Et alors, moi, je suis donc conseillère conjugale. On me demande de venir parler de l'écoute, alors que moi, j'ai plutôt l'habitude d'écouter et non pas d'être écoutée. Et puis, voilà, vu toute cette assemblée, c'est un peu comme ça pour moi. Voilà. Donc, je vais essayer d'être à l'aise. Voilà, alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... On va passer un petit panneau là. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'écoute, il y a, avant l'écoute proprement dite, toute une communication non verbale. Alors, dans cette communication non verbale, je vais d'abord parler du regard. C'est vrai que le regard est quelque chose qui est très important. Il y a des regards qui sont, bienveillants, attentifs. Vous avez ceux qui lèvent les yeux au ciel si vous voulez parler, ça n'invite pas à l'écoute. Vous avez les regards qui sont un peu fuyants, il y a des regards quelquefois qui sont austères, glaciaux. Il y a des regards qui peuvent gêner la personne, qui sont un peu, comment dire, très directifs, très déstabilisants, je dirais. Et l'écoute va être favorisée effectivement par un regard bienveillant. Mais quelquefois, moi j'ai remarqué que par exemple en voiture, ça c'est une expérience personnelle, en voiture quelquefois, il y a des choses qui peuvent se dire parce que le conducteur, il est là avec son volant, il ne peut pas regarder et il y a des choses qui peuvent passer. Puis en plus la voiture, c'est comme une cage, hein, ce n'est pas un confessionnal mais presque, on ne peut pas tellement s'échapper, hein, on est là et on va parler. Voilà. Donc, le regard est important, mais quelquefois, il y a des gens qui préféreraient, parce qu'ils ont peur peut-être de se culpabiliser ou je ne sais quoi, qui préfèrent justement qu'il n'y ait pas le regard. J'ai parlé du regard, mais
Mais je peux parler aussi du sourire. Le sourire, c'est important. Alors, il y a des sourires, je dirais, qui sont un peu de façade. Là, je pense à une femme politique qui, je pense, a un sourire de façade. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Je ne donne pas de nom. Non, pas de nom. C'est comme en politique, on ne donne pas de nom. Par contre, j'ai entendu à la télé, à une émission, il n'y a pas longtemps, une émission qui s'appelle, je ne sais plus le nom, de Frédéric Lopez, qui se passait au Vietnam chez les Lolos Noirs, par contre. Ça, je me souviens de ça. Et j'ai été, je vois des gens qui acquiescent. Il y en a peut-être qui l'ont vu. Moi, j'ai été très sensible à ces Vietnamiens. J'ai été très sensible à ces Vietnamiens qui étaient dans une vie de souffrance pas possible. Il y en a un qui a toujours le sourire, mais un vrai sourire. Et on lui demande, mais pourquoi tu souris toujours? Et il répond, je souris parce que pour moi, le sourire, c'est, ça fait développer l'autre, ça fait advenir ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Et j'ai trouvé que c'était une très, très belle phrase. Et c'est vrai que le sourire va faciliter l'écoute. Il y a aussi le look. Moi, j'ai écouté pendant à peu près 10 ans les SDF jeunes, c'est-à-dire de 15 à 25 ans. Et je vous assure que quand il arrivait dans mon bureau des punks avec les crêtes de coke, ou une autre fois, je me souviens, il y avait un garçon qui avait une espèce de rat blanc sur l'épaule. Mais je vous assure qu'il a fallu que je dépasse ce look pour pouvoir l'écouter en vérité. Voilà, et après, il y a les postures. Si, par exemple, vous avez quelqu'un qui croise les bras comme ça, il est évident que vous dites qu'il n'a pas envie de m'écouter. Bon, ça, voyez, tout ça, ça rentre dans l'écoute. Voilà, il y a aussi le verbal, voilà, où il y a ça sur le petit panneau. Il y a le verbal. Alors, dans le verbal, il y a le ton, l'intonation. L'intonation peut être pareil, comme les regards, ça peut être jugeant. Ah bon, tu sais ça, toi? On a envie de continuer hein, quand c'est comme ça. Le ton, donc il faut varier le ton. Quand on a un ton un peu monocorde, comme moi, je sais que j'ai un ton monocorde, il faut essayer de varier le ton, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis, il y a les intonations de voix. Les intonations de voix, il y a quelquefois des intonations qui peuvent rappeler quelque chose et qui peuvent être désagréables. Bon, une voix aiguë peut être désagréable, une voix sourde. Pourquoi ? Il faut peut-être le chercher soi-même, mais ça peut être désagréable. Au niveau de l'intonation, tout ça, moi j'ai envie de parler d'un prêtre où je vais à la messe souvent. C'est un prêtre qui faisait des sermons très bons, mais très monocordes. Et un jour, après un mois ou deux où je n'étais pas allée à la messe, tout d'un coup, il parlait, il modulait son ton. Et je vous assure que ça a changé la qualité des sermons. Et je n'ai pas été la seule à le trouver parce que plusieurs personnes m'ont fait la réflexion. Je pense qu'il avait fait une petite formation, probablement. Bon, et alors après, il y a le sens des mots aussi. Tout ça, ça influence. Le sens des mots, par exemple, mettons, je dirais de quelqu'un, il est curieux. Quelqu'un, je suis en train d'écouter quelqu'un qui me dit il est curieux. Je peux le prendre en deux sens. Je peux dire il est curieux parce que vraiment c'est un fouineur, il écoute aux portes, ou bien il est curieux parce que ben, il a envie de savoir, qu'il va chercher des choses dans le dictionnaire, etc. Donc, voyez, s'assurer aussi du sens des mots. Et la troisième chose, c'est l'état du moment. Moi, quand je suis arrivée, j'étais un petit peu stressée, là, aujourd'hui. Maintenant, ça commence à aller mieux. Donc, vous voyez, l'état du moment fait qu'on est plus ou moins favorable à l'écoute. Alors, c'est vrai pour l'écoutant, mais c'est vrai aussi pour l'écouté, parce que ce sont des échanges mutuels qui se passent avant ce que l'écoute proprement dite, et on dit que c'est pour à peu près 50% des échanges. Donc, les échanges commencent avant l'écoute proprement dite. Et maintenant, je vous propose d'écouter Jasmine et Jean. Alors, vous allez être comme moi des observateurs. Vous pouvez regarder tout ce que je vous ai dit et puis toute la suite, tout ce qui va se dérouler. Voilà, je vous laisse avec eux. Jasmine et Jean. Il n'y a pas de musique. Il faut la musique. Thank you.
Ah, je viens de faire un footing. J'ai couru 3 quarts d'heure. Ça m'a fait un bien fou. J'en avais besoin après la semaine que j'ai eue. Oh, super, je suis contente. Dis donc, c'est chez qui la réunion END demain soir? C'est chez les Assis. Ah, ben on pourrait se faire un petit DSA. On n'en a pas fait ce mois-ci. On a bien un petit moment, là. Là, maintenant? Mon enfant, on n'a même pas pris rendez-vous. Ah, j'avais oublié qu'il fallait prendre rendez-vous. Allô? Ma chérie? Tu es libre? Mais c'est fabuleux! Oui, c'est cela. À tout de suite. Que t'es bête. Tu vois bien que je suis en pleine cuisine. Mais laisse tomber. Mais je peux pas. J'ai promis aux enfants que je leur faisais des crêpes ce soir. C'est bien. Content de passer après la pâte à crêpes. Oh. Écoute, si tu veux, on n'a qu'à le commencer maintenant. Et puis je fais mes crêpes en même temps. Tu crois? Bon, je vais chercher la bougie. Ah non, 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 non. Tu vas pas... où, la bougie? Tu vas pas la trouver, tu vas pas la trouver. De toute façon, Minou, tu trouves jamais rien, même si c'est devant ton nez. Et puis, de toute façon, franchement, hey, on peut faire un DSA sans bougie. Hein. Bon. Alors, c'est quoi le thème? C'est... Donnez-vous la priorité à votre conjoint. Alors là, t'inventes, je te crois pas. Je sais pas quel est le thème, mais on pourrait parler de ça, de notre disponibilité à l'autre. Toi, tu me reproches la pâte à crêpes. Oui, un océan. Eh oui, un océan de pâte à crêpes nous sépare. Allez, Minou. Tu crois que ça m'amuse de faire de la pâte à crêpes, franchement? De toute façon, si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Moi, tu vois, tout à l'heure, eh bien, ça m'aurait fait plaisir que tu viennes avec moi faire un footing, comme avant. Enfin, Minou, je suis déjà crevée. Je cours toute la journée. Et pour me détendre, il faudrait que je fasse un footing avec toi. Non, mais t'as rien d'autre à me proposer. De toute façon, quoi que je te propose... Tu n'as jamais le temps. Reconnais que tu n'es jamais dispo. Mais pour cause? Écoute, de toute façon, toi, en dehors du boulot, c'est sport et loisirs. T'es un petit peu déconnecté du quotidien et du matériel. Et toi, tu te déconnectes de l'essentiel. Par exemple, l'autre jour, attends, quand nous étions attends, chez les... Attends, attends, tu te la jouerais pas un peu perso, là? Non mais oh, mais tu te rends pas compte de mes contraintes? Moi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, eh bien... Aujourd'hui, toi, tu ne sais pas sortir de tes contraintes. Faut toujours que tu sois la meilleure. Intérieur impeccable, dîner impeccable, superwoman. Si tu étais plus simple, tu aurais moins de boulot et tu aurais plus de temps. Mais n'importe quoi! Enfin, j'aurais moins de boulot, surtout si tu m'aidais. Seulement, tu vois, eh ben, sur le pont, eh ben, je suis toute seule. Je suis toute seule, voilà. Franchement, tu te laisses piéger par les contraintes quotidiennes. Si j'en ai des contraintes, et comment? Je bosse comme un dingue. Personne ne se rend compte du travail que je fais ici, alors. Sans moi, c'est vrai, la maison, eh bien, tournerait pas. Elle tournerait pas, la maison, voilà. Je bosse, je rentre, je dîne, je me couche, et en plus, je dors mal. Mais c'est vrai, faut voir les casquettes que j'ai à moi toute seule. Je ne suis pas un surhomme. Si je ne dépense pas physiquement, je craque. Alors, voilà, eh ben, je fais taxi, coach, répétitrice, blanchisseuse, repasseuse, cuisinière, couturière, jardinière, psychologue, infirmière, et j'en passe sûrement. Mais c'est normal, c'est normal. On vit côte à côte, on ne fait plus rien ensemble. Avant, c'était chouette, on faisait du vélo, on allait randonner en montagne. C'est ça, pour te détendre. Viens ici, Poupoule, crapahuter avec moi. Non, mais je rêve, je rêve, je rêve. Mais dis donc, mais la voilà, la règle de vie que tu te cherchais, mon minou, depuis 6 mois. Eh bien, moi, je te l'ai trouvée, la règle de vie. Ah, c'est facile. C'est de valoriser le travail de ta petite femme
et puis de participer un petit peu plus au travail de la maison. Voilà. Non, mais tu n'as rien compris. Toi, ta règle de vie, c'est d'avoir des moments de qualité avec ton mari. Mais c'est toi qui n'as rien compris. Non, mais il n'a rien compris, hein. Il n'a rien compris. Ah bah dis donc, tu parles d'un DSA. Ah ça oui, tu parles d'un DSA. Bon, le prochain DSA doit être un vrai DSA END. Alors, un, on va en refaire un rapidement. Oui, et bien deux, on va prendre rendez-vous. Et trois, on va relire le fascicule END sur le DSA. Et bien quatre, on va choisir le thème ensemble. Et cette fois-ci, on va préparer. Et on va s'écouter. OK ? OK. Ah oui. Mais... Bon, alors c'est Jasmine, je crois. Et oui, oui. Jasmine qui a écrit le scénario. Vous êtes là. C'est du vécu. Bon, alors, vous avez compris, je pense qu'il y a des petites choses qui clochaient dans ce devoir de s'asseoir, mais j'ai envie de vous interviewer à chaud, comme à la télé, comme vous êtes des bons acteurs, mais on se situe, bien entendu, dans ce devoir de s'asseoir et non pas dans votre vie privée. Hein. Bien sûr. Non. Voilà. Alors, comment ça va ? Non, parce qu'on s'aime beaucoup, beaucoup, quand même. Qu'est-ce que tu as dit ? On s'aimait beaucoup. Ben là, ça va pas bien du tout. J'ai mon micro, c'est bon. Je vais interviewer Jean, puisque on va laisser Jasmine se remettre. Alors Jean. Moi je bosse, je rentre, je dîne, je me couche et je dors mal. Et puis là j'ai un petit moment de. Ça marche plus ? Voilà. Donc, j'ai envie de faire un DSA. J'arrive, j'impose le DSA, j'impose le thème. On ne peut pas dire que j'écoute beaucoup. Et puis, je ne suis peut-être pas très écouté non plus. Et puis, tout ça se termine finalement par une règle de vie qu'au lieu que ce soit chacun qui choisisse ce qu'il devrait faire. C'est l'autre qui dit à l'autre ce qu'il devrait faire. Donc, je ne pense pas que ce soit optimal et que ce soit tout à fait dans les règles du DSA. Alors, moi, mon ressenti, là, tout de suite après, je suis triste parce que c'est un échec. On n'a pas communiqué. Puis surtout, je n'ai pas été entendue dans mes revendications. Je n'ai pas été comprise. Je suis en colère, donc. Donc, c'est de la tristesse, de la colère. Puis une frustration. Deux frustrations, celle de ne pas avoir été écoutée et puis celle d'avoir bâclé, bradé quand même un devoir de s'asseoir, d'avoir fait n'importe quoi, d'en avoir conscience. Voilà. Et puis peut-être aussi la frustration de ne pas avoir été écoutante non plus, de ne pas avoir été dispo, diffuse, mais elle est là. Voilà, il y a tout ça, quoi, ça ne va pas. Il faut envoyer la musique là, ou pas sur l'appel ? On attend un petit peu et on débarrasse. Et puis, d'accord. Voilà. Alors, ceci dit, c'est pas complètement négatif puisqu'on rebondit avec de bonnes intentions et l'important est de progresser. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Mais on part de loin. Vous anticipez un peu ce que j'allais dire. Mm-hmm. Pendant que vous débarrassez, je parle un petit peu. Alors. Prends ta caméra. Je prends ça. Alors. Je ne tiens pas compte de ce qui est dit, je m'en servirai plutôt après la deuxième scénette. Hein. Voilà, il a arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, vous avez pu observer, au départ, le regard enjoué,
tout allait bien, il rentre de son jogging, tout va bien, elle allait dans sa pâte à crêpes. Elle avait même dit, je ne sais pas si elle l'a dit, mais enfin, moi, j'avais l'écrit avant, et il parlait d'un océan de pâte à crêpes. Ça veut dire, c'est vraiment, ils étaient séparés par cette pâte à crêpes. Et ensuite, on voit qu'il y a une non-écoute complète. D'abord, ils n'étaient pas préparés, comme l'a dit Jean, pas préparés, elle ne s'y attend pas, elle ne veut pas lâcher sa pâte à crêpes. Pas préparé, c'était pas le moment. Ensuite, elle lui envoie un reproche à tout de suite, ce qui a fait rire, je pense, plutôt les dames. Tu es incapable de trouver quelque chose. Là, je pense que les femmes se sont retrouvées devant les maris, hagards devant un placard, alors que c'est devant leur nez. Voilà, je prends. Je suis une femme, je ne suis pas en conseil conjugal, donc je prends parti pour les femmes. MLF. Voilà. Donc ensuite, il essaie de lui parler en lui disant « Samour, il fait plaisir », elle ne reprend pas. Elle dit « Je suis crevée », il ne reprend pas. Ils ne s'entendent pas. Jean part de son côté. Il y a une espèce de soliloque, hop, si j'avais deux mains, je vous le montrerai. Chacun est dans sa bulle et ses reproches montent, ça remonte. Ils sont dans leurs reproches chacun, ils sont incapables de se rejoindre. En CCF, en conseil conjugal, on appelle ça un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il faut crever la bulle de l'un, que l'un veuille bien écouter l'autre pour pouvoir commencer à travailler. Bon, mais là, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont rendus compte qu'évidemment ça n'allait pas, les reproches montant, tout d'un coup ils ont dit stop, on arrête, on recommencera. Alors on va maintenant passer à un deuxième devoir de s'asseoir, il faut la musique je crois, on m'a dit avant, si elle n'arrive pas ça ne fait rien. Voilà. Et à 3 minutes de retard. Je vais passer les consignes pour qu'on ne nous dérange pas. Bon. Alors, tu sais qu'on a décidé pour notre DSA, ce mois, de ne pas prendre le thème que nous nous étions fixés initialement. C'est vrai qu'on s'est un peu frité ces derniers temps. Donc, on a besoin d'en parler, de comprendre pourquoi, de créer des réajustements calmement. C'est vrai. Je vais dire qu'il faut essayer de se quitter après avoir réglé notre problème. Le problème, et tu le sais, on est payé pour le savoir. Il faut faire attention à ne pas déraper, parce que ça peut mal terminer. C'est vrai. Il faut se maîtriser. Et se refixer les règles calmement. Alors, en premier lieu, s'écouter. Écouter l'autre jusqu'au bout. Sans s'interrompre, sans lui couper la parole. Adopter le point de vue de l'autre. Essayer vraiment de se mettre à sa place. Essayer de le comprendre. Ne pas parler à sa place. De soi, pas parler de l'autre. Essayer de faire attention à l'autre. Et de revoir comportement.
On va dire qu'elle est, elle est allumée. Alors cette bougie n'est pas là pour faire joli. Cette bougie est là pour nous rappeler que Dieu est présent à nos côtés. C'est notre garde-fou. C'est notre garde-fou pour nous aider à nous maîtriser et nous respecter. Tu as raison. Seigneur, donne-moi le regard de Jean-Louis. Seigneur, donne-moi le regard de Bénédicte. Aide-nous à maîtriser notre susceptibilité. Aide-nous à maîtriser notre orgueil. C'est toi, Seigneur, qui va nous parler. C'est toi qui va nous révéler l'identité de chacun de nous au sein de notre relation. Aide-nous à l'accepter, à l'entendre et à l'accepter. Amen. Bon, tu commences ? Non, non, vas-y. Bon. Alors moi, comment dire ? C'est simple. Je me sens actuellement un peu délaissé. Tu sais, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Un stress pas possible. Je rentre tard du travail et je ne me sens pas vraiment accueilli. Tu sais, pour moi, j'ai besoin de moments de qualité. Et ces moments, actuellement, j'ai l'impression que nous ne les avons plus ensemble. J'ai vraiment besoin de partager des passions, que tu prennes du temps pour moi. J'ai l'impression que, tu vois, on s'éloigne. Notre vie à deux perd de son sens. Physiquement, j'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de faire du sport, mais tu vois, j'aimerais le faire avec toi, le faire tout seul, moi, dans mon coin, ça ne veut rien dire. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, non. Si un peu, tu vois... J'aimerais qu'on ait un climat un peu plus serein à la maison. Est-ce que vraiment on a besoin d'autant d'agitation ? Donc ce que tu me dis, c'est que tu as beaucoup de stress, beaucoup de boulot, que tu as besoin de décompresser avec moi, je suppose que ça veut dire la marche, le jogging et la montagne. Oui. Oui. Tu trouves que je ne suis pas assez disponible pour toi ? Et quand tu trouves qu'il y a de l'agitation à la maison, je suppose aussi que ça veut dire que je suis débordée, en pleine effervescence, énervée. Oui. Et tu le vis mal. C'est vrai. Actuellement, je ne peux pas dire. Je ne suis pas très heureux. Alors là, tu vois, je ne peux pas dire autre chose. Je ne suis pas très heureuse non plus. Moi, je suis plutôt une parole valorisante. Je fais un boulot énorme à la maison. Je suis toute seule sur le pont. Je m'occupe des enfants. Je fais tout. J'ai en plus mon boulot parce que j'ai aussi un boulot. Je chôme pas. Et je n'ai ni aide, ni remerciement, ni reconnaissance. Alors là, tu vois, je trouve ça injuste. Hein. C'est vrai, je reconnais.
est très efficace à la maison. Tu n'as pas beaucoup de boulot. Tu es courageuse. Tu es efficace, c'est vrai. C'est vrai aussi, je ne suis pas très... Parole valorisante, je le reconnais. Peut-être que tu voudrais que je reconnaisse davantage, que je contribue, que je participe davantage à la maison. Oui. En fin de compte, c'est peut-être aussi pour cela que tu n'as plus trop d'élan vers moi. C'est pas tellement un problème de disponibilité. Oui, j'ai plus envie de faire d'efforts. Tu me trouves égoïste. C'est vrai que je comprends que tu puisses te trouver frustré, oui. Frustré. Écoute, tu as raison. Je te demande pardon, c'est vrai. Je me comporte comme un égoïste. Promis, je ferai attention à mieux reconnaître ce que tu fais, valoriser et essayer de faire davantage attention à aider à la maison. Je me comporte comme un mufle. Non, mais c'est moi aussi qui dois te demander pardon parce que... Parce que je suis disponible à tout le monde, je suis disponible à nos amis, à la famille, à nos enfants, et pas pour toi. C'est un comble quand même. Allez, va, samedi, on n'a rien. Tu nous organises une rando. Allez, pas plus de 10 kilomètres. Ça suffit. Sur une réalisation, parole, mise en scène, Jasmine. Bon, en deux secondes, vous avez fait la démonstration d'un très bon devoir de s'asseoir. Vous avez donné l'exemple du regard. Je suis obligée d'aller vite parce que je vois l'heure qui a tourné. Excusez-moi. Vous avez donné l'exemple du regard, du silence. Marie-Bénédicte, tu as écouté jusqu'au bout. Peut-être que tu bouillais, je ne sais pas. Peut-être que j'interprète. Vous avez respecté. Toi, tout de suite, tu n'as pas eu un langage de bois. Tu as dit immédiatement, on s'est frité, il faut qu'on s'explique. Avec la volonté de changer, visiblement. Il fallait que ça aboutisse à quelque chose qui soit dans un sens positif. Je fais très brièvement. Hein. Et au lieu d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun dans sa bulle, vous êtes descendu, je dirais, vous êtes centré sur, tu as dit je suis mal, je ne sais plus exactement comment tu l'as dit, mais Marie-Bénédicte est descendue, je dirais, de son mirador, c'est-à-dire de là où tu étais. Tu as fait le chemin jusqu'à Jean-Louis, tu l'as rejoint dans ce qu'il ressentait lui, et c'est ça l'empathie. L'empathie, c'est pas souffrir avec, parce que ça c'est la sympathie, c'est pas la compassion, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre et de sentir comme lui, de l'intérieur. Alors c'est tout un exercice, et là vous l'avez très bien fait, je dois dire. Voilà. Alors on appelle ça l'empathie. L'empathie, pour ça, il faut quand même apprendre à bien se connaître, parce que il faut pouvoir attendre la parole assez longtemps. Je vais peut-être vous renvoyer parce que si on est debout, vous allez peut-être en avoir marre. Bon, effectivement, pour pratiquer l'empathie, vous avez compris, c'est le mieux que je puisse, il me semble, expliquer, c'est descendre chacun de son mirador, de là où on en est, et d'arriver jusqu'à l'autre, jusqu'à son ressenti. Mais on reste soi. On peut être surpris par les réactions de l'autre. Alors en couple, on se connaît peut-être un peu plus, mais dans l'écoute de quelqu'un en général, c'est ça l'empathie. Et vous avez vu, elle a pris le temps de l'écouter, elle a reformulé
si je comprends bien, je ne sais pas exactement ces mots, je ne les ai pas là sous les yeux, mais est-ce qu'elle lui a dit, elle lui a relancé la perche. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Elle a vraiment écouté jusqu'au bout. Et c'est cette écoute qui a permis qu'elle aussi, après, ait pu donner ses griefs et son mal-être à elle aussi. En fait, l'empathie, on se situe plus sur le ressenti que sur les faits. Parce que quelquefois, on ne peut rien changer au problème de la personne. Mais le fait de lui dire « je te comprends, je comprends ce que tu dis, je t'entends », etc., ça permet d'aller plus loin, parce que la parole libère. Et puis ça fait comme une espèce de miroir, un miroir qui est chaleureux, un miroir qui vient du cœur, si vous voulez, qui révèle à l'autre ce qu'il est en train de dire. La parole libère, je viens de vous le dire, ça. Je me dépêche un peu parce que je sais que le temps tourne. Il faut connaître ses limites, hein. Par exemple, moi, en conseil conjugal, quelqu'un qui a des fois des gens qui ont ce qu'on appelle une logorrhée ou une diarrhée verbale, ça, c'est un peu moins joli. Eh bien, quand ça dure une heure, c'est très difficile d'écouter quelqu'un pendant une heure. On peut lui dire stop. Enfin, on ne lui dit pas stop, hein, ça s'explique un peu mieux. On va reprendre un petit peu ce que vous avez dit. De même que quand j'ai un couple en face de moi, il y en a un qui s'explique et l'autre, pendant ce temps, écoute. Eh bien, là, il me faudrait... deux oreilles, c'est sûr, mais quatre yeux. Deux pour regarder celle qui parle ou celui qui parle, et l'autre pour regarder le ressenti de l'autre, parce qu'on voit sa façon d'agir, etc. Comment il peut ressentir. Et après, on agit comme ça sur, entre l'un et l'autre, qui comprennent ce que dit l'un, ce que peut l'autre ressentir à travers ce qui a été dit. Et surtout, il faut être vrai. Quand on est écoutant, il faut être vrai. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des messages contradictoires, hein. Si je dis je te plains, il faut vraiment la plaindre et non pas se dire elle est barbante. Hein. Voilà. Il faut avoir un respect ou une considération inconditionnelle de l'autre. L'autre, on le prend là où il en est et on va essayer de le faire renaître à lui-même, c'est-à-dire trouver lui-même ses solutions, trouver son cheminement. Voilà. Et pour ça, il faut apprendre à connaître aussi ses limites et son écoute. Alors, on m'a demandé, je ne peux pas, je ne développe pas trop, parce qu'on m'a demandé de vous parler de l'écoute dans le couple et de l'écoute en équipe. Alors, en équipe, eh ben, on n'est pas seul face à une personne, hein, comme dans le devoir de s'asseoir, mais on est face à un groupe. Le groupe, eh ben, ça parle, ça vit, ça bouge. Mais quand on arrive en réunion, en général, on a un sac à dos qui est plein de la journée, plein de... Ben, je ne sais pas, moi, de la pâte à crêpes, plein du boulot qui a été lourd, plein du babysitter qui n'est pas arrivé, et le stress, plein de tout, de tout. Donc, il faut déposer son sac à dos. Il faut avoir la volonté de s'écouter. Et ça, ce n'est pas forcément évident, parce que dans les groupes, ben, vous savez, il y a les... Je ne vais pas faire une animation de réunion, mais enfin, il y a toujours le bavard ou le spontané qui, immédiatement, va dire, j'ai compris que dans vos équipes... Moi, je ne fais pas partie des équipes Notre-Dame, hein. J'ai compris qu'il y avait un temps de partage et après un temps de partage plus spirituel. Mais il y en a qui spontanément auront envie de parler beaucoup parce que c'est leur nature. Et puis il y a des timides, ben, qui leur faut un peu plus de temps, ou celui qui pense ou qui est un peu plus réfléchi, un peu plus de temps. Il ne faut pas empiéter sur son temps de parole, il faut le respecter et attendre peut-être en silence, ce qui n'est pas forcément évident, attendre qu'il s'exprime. Mais s'il n'a pas envie de s'exprimer, on peut lui dire aussi, c'est ton droit, mais savoir si c'est vraiment qu'il n'a pas envie de s'exprimer ou si c'est par timidité ou par pudeur, enfin voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, il y a de la diversité dans les équipes, donc il faut respecter les temps de silence parce que quelquefois, trouver les mots justes, ça prend du temps. Et on peut avoir peur de blesser l'un ou l'autre, donc prendre le temps et accepter le temps de silence comme l'ont fait Marie-Bénédicte et Jean-Louis, si je ne me trompe pas. Déposer la diversité des équipes, avoir le respect de l'autre. Respect de l'autre, ça veut dire aussi ne pas le pousser, quand on a commencé à dire quelque chose, ne pas le pousser dans ses retranchements. C'est-à-dire qu'on a droit, chacun, comme en famille, comme en couple peut-être, on a droit à son jardin secret. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de tout dire, on peut dire là, je m'arrête là, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Et puis, il faut accueillir l'autre. Mais accueillir, ça ne veut pas dire envahir. Envahir, on n'est pas en fusion. Hein. La fusion, c'est, vous savez, quand le couple, au début au début de la vie de couple, disons, on est en fusion. On est tellement bien avec l'autre, on voudrait tout faire ensemble. On est, bon, il ne faut pas être en fusion. Voilà. Et puis chacun montre, dans une équipe ou ailleurs, on montre chacun
notre partie, notre iceberg, si vous voulez, la partie qui se voit. Les psys vont vous dire que l'iceberg, c'est uniquement 10%, puis qu'après, il va grenouiller là-dessous beaucoup de choses, l'inconscient, etc. Mais chacun en montre sa façade. J'ai parlé au début du regard, du sourire. On montre son... On a une espèce de carapace qui fait qu'on va se défendre, ou c'est les plus les expressions, c'est les mécanismes de défense. Et puis après, on peut atteindre le cœur de l'autre, c'est-à-dire sa vraie richesse. Voilà, mais je vais vous prendre un petit exemple. En équipe, par exemple, il y en a une, mettons Suzy. Suzy dit, bien moi j'ai peur, ma fille va accoucher dans un mois. Il faudrait la troisième diapo, là, enfin la troisième image. Voilà. Alors si je vous dis par exemple, bon, Suzy dit j'ai peur, ma fille va accoucher dans un mois. Si vous lui répondez, si tu as peur, je t'amène au cinéma, ça va te changer les idées. Qu'est-ce que vous faites là? Vous lui donnez quoi? Pas, non, c'est peut-être pas la solution, c'est plutôt un support, une aide. Vous êtes une béquille, je t'amène au cinéma. Mais le cinéma, c'est transitoire. Vous ne résolvez pas son problème. Après le cinéma, elle va rester avec sa peur. Vous ne l'avez pas écoutée dans sa peur. Enfin, vous l'avez écoutée, mais pas assez profondément. Alors, c'est bien d'être une béquille, mais ça n'aide pas profondément. Si vous lui dites, par exemple, « Oh, ben alors, écoute, ben, détends-toi. Ben, au besoin, prends un Lexomil ou alors un machin un peu plus innocent. » Je suis pharmacienne, donc, enfin, d'origine. Donc, ben, là, vous faites quoi? Solution, conseil, oui. Alors, la solution, c'est ça. Non, c'est peut-être la solution, mais ce n'est pas la sienne. Il faut l'aider à trouver, elle, sa solution. C'est comme un conseil conjugal. Souvent, il y a des gens qui arrivent, ou une, en général, c'est un des deux, et qui dit, dites-moi si je dois divorcer. Ce n'est pas à moi de dire s'ils vont divorcer. Ils vont amener des éléments et on va leur permettre de réfléchir si quelle est la meilleure solution pour eux. Voyez. Donc, c'est à elle de trouver sa solution. Mais évidemment, quand on donne des conseils, supports, on se sent utile, on sent confiance, on a l'impression de faire une bonne écoute, puisqu'on est rassurant, on aide. Si vous lui dites, je continue, hein, si vous dites, oh ben, tu as peur, parce que tes accouchements se sont peut-être mal passés, qu'est-ce que vous faites là? Interprétation. J'entends pas ce que vous répondez, donc je réponds pour vous. Alors, c'est interprétation. Alors peut-être, toujours pareil, l'interprétation, c'est peut-être pas mauvais, mais il faut être sûr qu'on ne se trompe pas et qu'on n'induit pas justement chez elle. Elle a peut-être accouché très bien et ça n'a peut-être rien à voir avec ses accouchements à elle. Donc vous vous trouvez à vous une solution ou une interprétation qui n'est peut-être pas la sienne. Et si elle se sent comme ça incompris, je dirais, oh ben, s'il pense que c'est comme ça, c'est même plus à peine que je parle, c'est pas à peine d'aller plus loin. Vous pouvez aussi, que j'en oublie pas, vous pouvez aussi dire, ah bon, quel est ton gynéco? Quel est son gynéco? Quelle est la clinique? Là, vous êtes dans quoi? L'enquête, ça c'est facile. Et là, vous vous sentez un peu policier, hein, fait une enquête. Alors, l'enquête, c'est vrai que c'est bon l'enquête. Hein. Mais l'enquête, ça peut être bon une fois qu'on a écouté un peu plus. Il vaudrait mieux avoir une question un peu ouverte. Par exemple, dire, mais qu'est-ce qui t'embête dans cette histoire? Ou qu'est-ce qui t'embête? Et là, elle pousse un peu plus loin, et là, peut-être, vous aurez plus tard un peu besoin d'enquête. Vous voyez une question ouverte qui amène à l'empathie, en fait. Dis-moi pourquoi tu as peur. Pourquoi je te rejoins dans ta peur, mais pourquoi tu as cette peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Bon, alors, ça, c'est donc pour le... Quand on fait ça en équipe, ça demande quand même une certaine, comment dire, une certaine retenue et un peu moins de spontanéité. Et ça demande surtout, enfin ça ou autre chose, mais je crois que les réunions d'équipe, mais je suis arrivée en fin de matinée tout à l'heure, je crois que c'est très important d'avoir la confidentialité. C'est-à-dire que ce qui est dit, enfin moi je sais que j'ai fait beaucoup d'entretiens ou de groupes en éducation affective et sexuelle dans les écoles, surtout collège et lycée. Et chaque fois, ou alors j'ai oublié, mais chaque fois, je répétais, ce qui est dit ici ne sortira pas d'ici. En tout cas, ça ne viendra pas de moi. Et ça permettait la confiance. Parce que si on sait qu'après, ce qui est dit va émerger ailleurs et de façon pas forcément comme ça a été dit, puis on n'a pas envie de le dire à tout le monde. Déjà, dire en équipe, c'est peut-être pas facile, mais alors devant, si ça est allé plus loin, c'est encore plus gênant. Hein. Alors pour tout ça en équipe, je regarde l'heure, hein, c'est pour ça. Pour tout ça en équipe, ben, ça nécessite... Oui, j'y suis presque. Ça va, c'est bon?
Bon. Alors, ça nécessite un animateur. Et bien, le rôle d'animateur, il n'est pas toujours facile. Parce que, je ne sais pas comment vous êtes en équipe Notre-Dame, moi je fais partie d'une communauté CVI, c'est-à-dire vie chrétienne, ignatienne. Et, bien, et puis les réunions claires, puisque je milite encore, enfin, je suis encore active dans le clair. Les réunions sont bourrées de choses, bourrées d'informations, bourrées des dates à retenir peut-être, bourrées d'informations, le partage tel que vous le faites, etc. Donc l'animateur, il a un sacré rôle, parce qu'il a en face de lui, comme je disais, le bavard, le timide, l'enquiquineur, celui qui va contester, enfin bref, je campe, hein, ça serait de l'animation, voilà. Donc l'animateur, il a un tour de rôle à donner ou à vérifier que la parole puisse être circulée entre tout le monde. Et je vais vous faire une suggestion que peut-être vous avez déjà faite, je ne sais pas. Nous, on a expérimenté et on expérimente encore. On fait un premier tour où chacun va s'exprimer très exactement comme ce qui a été fait hier à la table, la table ronde, merci. Comme ce qui a été fait par Pierre-Louis à la table ronde, c'est-à-dire qu'il a donné un temps de parole qui était, je crois, entre 5 et 7 minutes. Bon, ça, c'est à voir dans les réunions. Nous faisons ça. On a un temps de parole. Ce qui nécessite, quand vous savez que vous avez une parole qui va être assez courte, ça nécessite comme eux, ça je peux vous le dire, je le sais, ils avaient préparé, hein, c'était pas un hasard. Donc ça nécessite de bien préparer ce qu'on veut dire. Alors on ne fait pas fastidieusement comme à l'école, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Mais on respecte ce temps de parole. Et notre animateur a un minuteur de cuisine, tout bêtement. Ça peut être un téléphone, ça peut être autre chose. Je vous assure que quand vous entendez le dring, vous vous dites qu'il faut se dépêcher pour pouvoir respecter le temps des autres. Et ensuite, quand ce tour de parole est fait, nous pouvons, pendant qu'on le fait, prendre des notes. Et après, on interpelle l'un ou l'autre en disant « Bien, écoute, moi, je ne sais pas ce que tu as dit. Je voudrais que tu ailles plus loin. Ou je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux t'expliquer mieux ?» On peut très bien se permettre de dire « Là, tu m'as... Il y a quelque chose qui m'a gêné dans ce que tu as dit. » Voilà, donc si vous voulez, ça permet d'aller plus loin, d'expliciter plus loin tout ce qui vient d'être dit et d'aller plus en profondeur. Voilà. Et alors nous, on a l'habitude, c'est pareil, je vous explique peut-être quelque chose qui peut vous aider, je ne sais pas. Nous, on termine toujours par une évaluation de 5 minutes. Cette évaluation permet de dire, mettons, il y en a un qui pourra dire, ben, je remercie du bon repas que m'a fait Mélanie, mettons. Et puis, il y en a un qui pourra dire, ben là, je n'étais pas d'accord avec ce que tu as dit. Ça m'a même un peu remué. Ou bien, je suis arrivée avec un thème qui ne m'intéressait pas tellement. Et finalement, je repars, j'ai du grain à moudre. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, ben, c'est que je voudrais que vous repartiez peut-être avec du grain à moudre. À partir des devoirs de s'asseoir, qui étaient un peu caricaturaux, mais je crois quand même que vous pouvez... Vous êtes peut-être reconnu à des moments donnés avoir un petit peu plus de vous dire je ferai un petit peu plus comme ça, parce que c'était un peu caricaturé dans un sens et dans l'autre. Mais je vous remercie. Bon, je remercie les acteurs, bien entendu. Ils sont bien aidés dans l'écoute. Voilà. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vais vous dire que l'écoute, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas naturel. Dans le naturel, c'est plutôt de parler. Il y a Goethe qui a dit, le besoin de parler, c'est naturel. L'écoute, c'est beaucoup plus... C'est pas exactement ça qu'il a dit d'ailleurs. Je vais vous le dire, si je le trouve. Mais le sens, c'était ça. L'écoute, c'est facile. Le besoin de parler, c'est facile. Et l'écoute, c'est tout un art. Voilà, c'est ça qu'il a dit, Goethe. Voilà, et puis j'espère que je ne vous ai pas trop endormi. C'est le moment de la sieste. Voilà. Voilà, alors vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas envie d'écouter. Ça peut durer toute une vie. Et quand on veut progresser dans l'écoute, moi-même, pour me former, bien, j'ai fait ce qu'on appelle des week-ends d'écoute, où on refait un petit peu tout ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Christian, tu es là-haut.
Tu es l'époux de Geneviève. Tu me feras le devoir de s'asseoir sur la cuisine, s'il te plaît. Bon, alors Jasmine, on va vous convoquer à toutes nos réunions de devoir de s'asseoir. Donc si vous avez besoin de faire un devoir de s'asseoir, vous voyez ça avec Jasmine, elle vous le fera. Bon, alors, là on est pas mal à l'heure. Alors, quelques renseignements.